Dans cette petite ville vivent un chaton appelé Cookie, son grand frère Tartine et leur petite sœur Praline. Beaucoup d'autres chatons y vivent aussi. Cookie, Praline et Tartine, la famille chat. On est mignons. Pêche le si encore plus. Miaou. Les chatons font de la gym. Les chatons passèrent le week-end chez leur grand-mère. Réveillez-vous, mes chatons chéris. Il est l'heure de saluer cette merveilleuse journée. Je veux rester au lit encore un peu. Oui, je n'ai pas la force de sortir de mon lit. Venez avec moi, on va faire ma gymnastique du matin. Après ça, vous serez plein d'énergie et vous vous sentirez mieux que jamais. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gymnastique. Il n'y a que papy et mamie qui ont besoin de faire de la gym. Nous, on n'est que des petits chatons. La gymnastique, ça fait du bien à tous les chats de tout âge. Les étirements aident à rester fort et énergique. Moi, je suis déjà très fort. Regardez un peu ça. Oui, on voit que tu es un athlète. Si vous ne voulez pas faire de gymnastique, d'accord. Mais vous devez absolument manger du porridge pour le petit déjeuner. Ça vous donnera de l'énergie pour la journée. Ça veut dire que si on ne mange que du porridge, on deviendra très oui, fort. Oui, on ne sera pas obligé de faire la gymnastique du matin. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Les chatons prirent leur petit déjeuner et allèrent jouer dehors. Je vais le chercher. Je n'arrive plus à courir. Je vais l'attraper. Comment va-t-on réussir à le faire descendre de là-haut? On pourrait se servir de ce bâton pour le faire tomber. Mais si tu le casses à la place de le faire tomber? On pourrait mettre des ressorts sous nos pieds et sauter pour l'attraper. Et si tu restais coincé dans l'arbre à ton tour? Alors on devrait aller te chercher dans l'arbre toi aussi. Et si on appelait le papa de Dragé? Il viendrait à toute vitesse dans son camion de pompier et il irait chercher l'hélicoptère. Hé! Il est tout là-haut! On ne peut pas déranger les pompiers, ils ont des choses plus importantes à faire, comme les incendies par exemple. Je crois qu'on n'a plus qu'à grimper à l'arbre nous-mêmes pour aller récupérer l'hélicoptère. Mais les chatons ne furent pas assez forts pour grimper à l'arbre. On n'arrivera jamais à récupérer notre hélicoptère. Oh, je connais le problème de l'hélicoptère dans l'arbre. Allons le récupérer. Oh, Mamie, c'était incroyable. On aurait dit un chat super-héros. Tu es trop forte. Il n'y a rien d'héroïque là-dedans. C'est simplement grâce à ma gymnastique. J'aimerais être fort comme mamie, moi aussi. Oui, et moi aussi. Je viens d'avoir une excellente idée. Papa et maman vinrent rendre visite à mamie et au chaton. Eh bien, Tartine, on dirait que tu es un chaton super-héros. Ça ne fait qu'un jour et mamie a déjà transformé les chatons en athlètes. Bonjour les chatons. Et bonjour mamie. Tout ça, c'est grâce à la gymnastique de mamie. À vrai dire, je crois qu'un peu d'exercice ne me ferait pas de mal. J'ai quelques courbatures après avoir conduit. Eh bien, dans ce cas, si on faisait un peu de gymnastique tous ensemble... Trop génial! Miaou, 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 miaou! D'ailleurs, ce mouvement de vague, miaou, est un excellent exercice. À partir de ce jour, la famille chat au grand complet fit ses étirements du matin. Et leur exercice de la vague miaou fut un excellent moyen de muscler leurs bras.